Salut tout le monde, c'est Seb, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve sur Titanfall, donc la bêta qui finit ben, ce soir. Titanfall, un jeu développé par les anciens de chez Infinity Ward, donc j'ai oublié leur nom, Infinity Ward, qui sont donc partis chez EA, qui ont créé leur nouveau studio, qui se sont carrément barrés de chez Activision. Ensuite, ils n'avaient plus du tout à suivre leur politique et Call of Duty, ça devait les lasser parce qu'il faut faire un jeu de méca, ça devait les lasser un petit peu. Et ce jeu, bah, que dire, c'est de la bombe tout simplement. J'ai pris vraiment pas mal de plaisir à jouer sur cette bêta. Alors, je suis un petit peu déçu que ça finisse ce soir parce que c'est vraiment un bon, j'allais dire petit jeu, oui, un très bon jeu. Malheureusement, qui est qu'en multi et qui risque de coûter assez cher. Pour ceux qui jouent sur console, sur PC, à moins de se trouver des sites pour l'avoir moins cher, mais sur console, ça risque de faire cher le jeu uniquement multi. Alors après, ça, c'est mon avis personnel. C'est un petit peu dommage de mettre un jeu multi qui coûte le prix d'un jeu normal avec un solo. Alors que là, ce ne sont pas en bêta, enfin, solo, ils ont fait que du multi, même s'il est bien rodé, même plus que bien rodé. C'est très bien pensé, il n'y a pas une arme plus puissante qu'une autre, il n'y a pas. Voilà, j'ai pas ressenti ce défaut des Call of Duty de mettre une arme plus puissante, limite cheatée. Pour être honnête, j'ai même pas rangé une seule fois sur ce jeu. J'ai déjà fait un nombre de parties incalculable. Et c'est toujours avec autant de plaisir que j'y joue. C'est assez, assez marrant pour signaler. Alors, cette map-ci est assez ouverte. J'adore l'univers. Alors si j'ai bien compris, le moteur graphique qui est utilisé, c'est Motor Source, donc le moteur d'Half-Life. Alors est-ce que c'est vrai ou faux, ça je ne sais pas, en fait je me suis pas vraiment renseigné là-dessus, mais si c'est ça, si c'est le cas, c'est un très bon point. Donc vous, les IA, les grunts, vous êtes morts, ça apporte quelques points, et ça permet de stopper leur avancée. Et parce que ce jeu n'est pas uniquement joué avec des humains, il y a aussi des IA, vous me direz, oh, c'est dommage. Personnellement, je trouve que c'est pas un mauvais point. Je trouve que c'est pas un mauvais point. Ça permet de mettre du dynamisme dans les parties sans être toujours bloqué dans l'avancée de la partie. Donc là, je vais poser rapidement. Je suis pas qu'est-ce qu'il me tire dessus. Je me pose ici, non, je peux pas me poser ici. Non, c'est pas grave. Ouais, bien joué, j'ai pas le temps d'enfuir, bien joué. Alors, pour ce qui est du code réseau, ben rien à dire. Honnêtement, j'ai pas eu de problème de déconnexion, de lag. Je veux dire aussi, on a d'autres défauts qu'on puisse avoir en live. Oui, de déconnexion, de lag, de tir en retard. C'est très 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 stable. Bien, j'ai pas su sauter, c'est pas grave, je suis un petit peu n'importe quoi. Désolé, ça vous a rendu malade. Vous voyez comment c'est fluide, on revient, on repart, on revient, on repart. Voilà, donc vous voyez, en bas il y a écrit plus 100, c'est là que je tue un humain. Un humain, ça coûte 100 points et une IA, donc un grunt. Oula, bien joué. Un grunt, c'est 25 points. Et un titan, si je me rappelle bien, c'est raté. Et un grunt, oh non, un grunt, c'est 20 points. J'attends le touche, désolé. Bien joué, je sais pas si il m'a balancé comme grenade, mais il m'avait fait mal aux yeux. Ah, ça, c'est étrange. Ouais, bien joué, bien joué. Putain, là, il essaie de m'avoir, il n'y avait pas. Bon, la bêta n'est
pas très bien optimisé, ça m'arrive encore de laguer, de ramer plutôt, de laguer. Oula, je sais pas parler. Oh, t'es avec moi, désolé. Je suis un sniper, je voulais chercher, mais il s'est fait avoir déjà joué. Mais c'est très fluide, hein. On prend, on saute, on repart, on marche sur les murs, on fait un petit peu tout et n'importe quoi. Et c'est très très efficace. Oula, lui a volé. Ah, j'ai raté, je voulais sauter dessus. C'est bon, je suis sauté dessus. Alors désolé, prends le lag, et voilà, donc là, je vais tirer dessus. D'accord, donc lui, il avait le pouvoir de nous tuer quand on saute dessus s'il n'est pas affaibli. D'accord, donc là, il l'a chopé, il va le détruire. En fait, j'ai pas personnalisé mon titan, je vais pas regarder, comme c'est le dernier jour de la bêta, j'ai pas envie de perdre du temps avec ça, je préfère jouer. Et je verrai ça la prochaine fois. Oh là là. Et on court, et on saute, et on repart, c'est vraiment bien foutu. Non, lui, je vais le faire. Oula, oula, il m'a vu. Donc ça, c'est sa pouvoir télékinésique. Pour nous renvoyer les tirs. Alors on a des attitudes, des améliorations pour nos tirs, mais c'est en fait ça marche avec des cartes. C'est-à-dire que vous prenez une... Bah, vous piochez une carte, je sais pas si je l'ai fait en fait, je regarde rapidement. Bah une carte, non j'en ai pas, désolé. Ah zut, j'aurais pas donné d'autres options, c'est pas grave. L'équipe en carte, en fait vous brûlez une carte, vous utilisez une carte, et ça vous permet donc d'avoir une attitude spéciale, mais jusqu'à votre prochaine mort. Alors que vous pouvez courir plus vite. Avoir une arme un petit peu plus puissante, mais seulement pour une vie. C'est là que dès que votre vie est passée, bah c'est fini. Donc là, c'est là qu'il y a un mec qui est sauté sur mon titan. Voilà. Bien joué, très bien joué. Allez, je vais prendre le point B, je vais pas m'attarder ici. Ah, c'est très fluide, c'est excellent. Et on continue, on continue. Je me pose ici. Ça m'a fait peur, t'as fini, t'en prends une. Ouais, bien joué, très bien joué. Et on repart. Alors, pour être honnête, la première fois que j'avais vu Titanfall, j'avais... Enfin, je sais pas, j'étais pas emballé, je trouvais que c'était sympa. Mais le fait que les décors se détruisent pas, j'étais déçu. J'ai dit, ah, c'est un vieux jeu, m'a pas optimisé pour les nouvelles machines qu'on a actuellement. Et bah finalement, bah, c'est vrai que ça manque de destruction. Mais finalement, bah, pour le gameplay, bah, ça ne cache pas le gameplay. Finalement, son intérêt à lui n'est pas dans le décor destructible et tout ça, c'est plus... C'est plus dans son gameplay, dans sa nervosité. Enfin, j'ai pas su avoir. Je vais me poser. Enfoiré, bien joué. Ah, il m'a suivi, c'est ça que je n'ai pas vu quand je me suis retourné. Bien joué. Et on repart. Donc là, comme on a perdu la partie en bas à gauche, on doit s'exfiltrer donc, dans un vaisseau. Et là, ça va être tendu. On dirait qu'on... Petit temps de temps, j'ai posé, été détruit. C'est pas grave. Oh, on a déjà un titan adverse qui nous attend là-haut. Ouais, forcément. J'aurais pas dû lui tirer dessus, il m'a repéré à cause de ça. Pas de chance. Moi, j'ai pas été trop mauvais, j'aurais pu faire mieux, mais c'est pas grave. Your dropship is at the E-Land point.
On va laisser la partie C terminée. Mais selon moi, j'y crois pas trop. Là, ils ont très bien joué la partie, là. C'est très sympa, les décors. Hein. Je veux pas dire que c'est super beau, mais c'est réussi, voilà. Les niveaux sont bien pensés. On s'arrête jamais de courir. C'est très bien foutu. Ce que je vais faire, je vais arrêter ici. Je fais une coupure et on se rejoint bah, pour la seconde map. En milieu urbain qui est vraiment pas mal. Et à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve sur la seconde map. Alors, je vais prendre donc mon personnage. J'ai essayé de fabriquer un titan. Je sais pas s'il a pris en fait la partie s'est lancée. Moi j'étais en train de personnaliser le titan. C'est pas grave, même les cartes, j'ai mis des cartes. Je suis en train de personnaliser mes cartes. Et je sais pas si ça les a prises. Donc voilà la map qui est très bien foutue, je trouve. Il y a plus de CQB pour plus de combats rapprochés. Ok, donc là tu vois pas que je suis tiré dessus, zut. Voilà, si, donc mes cartes ont été prises en compte. Ah oui, donc je voulais changer une arme, c'est pas grave. Je vais peut-être choisir celle-là. Et c'est reparti. Et vous voyez, cette arme-là qui est un petit peu plus puissante, bah, elle n'est valable que pour une seule vie. Et ça, c'est bien pensé. On n'a pas une arme cheatée pendant toute une partie. Bah, cheatée, on connaît pas cheatée, mais voilà. C'est dans l'esprit, je veux dire, comparé à un Call of Duty. Ah, bien joué. Voilà, donc mon arme est perdue. Et on repart. Forcément, on a des grenades aussi. Je vais peut-être lancer une grenade maintenant. D'accord, donc je l'ai pas tué. Donc là, ils étaient nombreux dans le point A. Mais c'est très rare dans le monde dans le point A. Donc là, il y avait aussi des IA, hein, forcément. Mais il y avait aussi des humains entre deux. Donc, et rentre aussi, j'arrive pas à rentrer. Oh là là. Toi, tu pensais que ces coups de pied c'était marcheux. Les coups de pied sont très efficaces. Hein. Ils font assez mal. Donc là, il me dit que mon titan est bientôt prêt. Moi, je continue à avancer. Allez, c'est très fluide, hein. Regarde-moi ça. Impeccable. Donc là, je vais poser comme ça, il va me suivre. Là, j'ai tué un grunt. Voilà, donc mon titan arrive. Je pense que le titan m'a vu. Mon titan va permettre de faire diversion pendant que, voilà, pendant que je prends le point et je repars et je vais chercher mon titan qui doit être ici. Voilà, on est reparti. Donc désolé pour les saccades, c'est normal. Comme je vous dis tout à l'heure, c'est la bêta, elle est pas très bien optimisée. Enfoiré! Enfoiré, il a pété mon titan. Bien joué.
C'est nerveux. Regardez-moi ça. Bien joué, très bien joué. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là c'était très 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 nerveux, très intense. Honnêtement, je peux vous dire, j'étais. Je sentais l'adrénaline, ce coup-là. Et on repart. Le Titan, viens ici. Ben, bien joué. Je vais passer là-bas. Et on repart. Et on repart. D'accord, donc là c'est une crête. Ok, c'est plus mon tir de tout à l'heure. Ça aussi très bien pensé, le Titan arrive juste au niveau de la fenêtre, et ça c'est pas mal. Hop, éjecte, et au revoir. Et je l'ai eu, impeccable. Et on repart. Bon, lui, j'ai pas eu. J'ai pas su que son pilote s'est éjecté. J'ai cru voir c'est un allié. J'ai pas fait gaffe, j'ai cru voir un mec courir, c'est pas grave. Et on repart. Je passe là-bas. Je suis invisible, ce sera beaucoup mieux. Donc là, on a perdu. Il faut s'exfiltrer là-haut. Remonter là-haut, c'est assez compliqué, honnêtement, je suis jamais arrivé. À chaque fois, je me fais défoncer. Je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je m'en doutais. Bah si, je suis arrivé, hop, mec. Donc là, maintenant, on est ici. Et on doit... Donc, s'exfiltrer, on doit attendre le vaisseau qui arrive dans 8 secondes, et on doit pas se faire détruire notre vaisseau. Donc là on a été très rapide, donc là je suis peut-être pas le coller lui. Impeccable, moi j'ai réussi à m'exfiltrer, impeccable. Et là maintenant notre vaisseau ne doit pas se faire détruire. Et on y est arrivé, impeccable, voilà, ça finit bien. Bon, classement moyen, mais bon c'est une très bonne partie je trouve. Très riche en action. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette petite vidéo. Elle a quand même duré une vingtaine de minutes, c'est pas mal. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo donc sur cette bêta qui finit ce soir. J'espère que vous avez apprécié et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et salut, à plus.